Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente la nouvelle du jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Programme des événements commémoratifs en Arménie et en France avec la participation de l'Arménie occidentale. 24 avril 2023. Symbole de l'Arménie occidentale à Verdun. Enfant d'Arménie occidentale Patrick Devedjian. L'identité arménienne. Les femmes arméniennes islamisées. Création de la colonie azerbaïdjanaise de Talish aux dépens de la colonie arménienne. Nous comprenons que les restrictions de mouvement le long de la route d'ouverture sont un grave flop pour la population locale. La réponse d'Ursula von der Leyen au maire d'Artsakh après un poste de 8 ans, Pâques a été célébré à l'église Saint-Kir à cause de Tigran Akert. En présence des membres du Conseil national d'Arménie occidentale et du gouvernement de l'Arménie occidentale, liste non exhaustive, le 12 avril 2023 à 18h15 à Marseille, cérémonie de dévoilement de la banderole à l'hôtel de ville, en présence du président de région Renaud Muselier. Le 21 avril 2023 à Bourges-les-Valences, table ronde, un nouveau génocide des Arméniens peut-il se reproduire? Le 23 avril 2023 à 11h à Genève, au centre arménien de Genève, mais c'est dépôt de gerbe du Conseil national d'Arménie occidentale. Le 24 avril 2023 à 11h à Lyon, commémoration des victimes du génocide des Arméniens début de Gerbe. Le 24 avril 2023 à 11h à Mandelieu-la-Napoule, commémoration des victimes du génocide des Arméniens dépôt de Gerbe. Le 24 avril 2023 à 12h à Yerevan, au monument de Tizernakabert, commémoration des victimes du génocide des Arméniens dépôt de Gerbe. Le 24 avril 2023 à 15h à Caen, commémoration des victimes du génocide des Arméniens. Le 24 avril 2023 à 15h à Antibes, commémoration des victimes du génocide des Arméniennes et l'inauguration de la stèle. Le 24 avril 2023 à 17h à Prône, commémoration des victimes du génocide des Arméniennes. Le 24 avril 2023 à 17h à Draguignan, commémoration des victimes du génocide des Arméniennes de Peu de Gerbe. Le 28 avril 2023 à 11h à Yerevan, au monument de Tizernakabert, cérémonie officielle de l'Arménie occidentale. Hier, je visitais le site de Douaumont à Verdun. Quelle me fut pas ma surprise de voir sur le bâti de la sueur parmi les placeaux des villes qui sacrifièrent leurs filles lors de cette horrible boucherie, celle des villes arméniennes de Cis et de Van. La France d'aujourd'hui serait bien inspirée de se souvenir de ce qu'elle représentait, de ce qu'elle représente toujours pour les Arméniennes et ce que ceci devrait représenter pour elle, notamment dans le conflit avec l'Azerbaïdjan. Les Arméniens n'ont jamais été un parti entre la France et ses ennemis. Ils ont jamais un renvoyé dehors de l'agresseur et l'agressé. Ils distinguent le bien du mal. Nous ne pouvons que condamner le destin d'obéses et de voleries que se donne le pays que portait naguère le fanat de progrès de l'humanité, Laurel et Ilekian, au centenaire de l'armistice du 11 novembre, rappelant la mémoire des combattants de la Première Guerre mondiale dont l'Arménie occidentale fut belligérante par le déploiement de ses forces sur le front de l'Orient et par le sacrifice de près de 1,5 million d'Arméniens ayant subi un génocide. Ce ne fut pas le président de l'Arménie occidentale qui a été invité par le président français, mais bien le président Erdogan. Or, c'est également pour cette raison que le drapeau de l'Arménie occidentale flotte à de plus en plus de cérémonies patriotiques en France. La mémoire sélective des autorités françaises dans le mésor des valeurs que nous devons défendre collectivement est parfois surprenante. On se rappelle des décisions du tribunal administratif qui annula la charte d'amitié entre les villes françaises et des villes d'Artsakh. L'ablation de la Cilicie rappelle également le drapeau de Cilicie qui a été ensuite copié par la Géorgie. Le devoir de mémoire pour tout. Patrick Devedjian est né à Fontainebleau en France. Son père est originaire de Sébastien, Arménie occidentale, et sa mère est née en France. La famille paternelle de Devedjian s'installe en France en 1919, au moment du génocide contre les Arméniens. Ils ont été sauvés par leurs voisins. Patrick Devedjian est un homme politique français. Il a occupé plusieurs postes élus et nommé de maire, député et ministre. Pendant la présidence de Nicolas Sarkozy, Devedjian a occupé le poste de ministre. Il était le principal candidat dans la lutte pour le poste de ministre de la Justice. Après le président Sarkozy, il a été inclus à l'Assemblée nationale de France en tant que représentant d'autres rangs de l'Union pour un mouvement populaire. Après la fin de la Première Guerre mondiale, de nombreuses organisations arméniennes et missionnaires étrangères ont aidé des femmes et des enfants à se libérer de leurs ravisseurs. Ces missions de sauvetage se sont transformées en opérations en grande échelle semées d'embûches. En particulier, la missionnaire danoise Karen Jeb, coopérant avec les chefs des sectes arabes jusqu'en 1928, a réussi à sauver 2000 femmes et enfants arméniens des ravisseurs musulmans. Avec son aide, des maisons de veuves ont été créées dans un certain nombre d'endroits où de
nombreuses femmes arméniennes victimes de cruelles souffrances ont trouvé refuge. De nombreux volontaires ont payé de leur vie pour participer aux opérations de sauvetage et de nombreuses femmes arméniennes sont mortes en tentant de s'échapper. Les enlèvements de femmes et d'enfants arméniennes et les efforts ultérieurs pour les sauver sont parmi les pages les plus tragiques et les plus dramatiques de la politique du génocide du gouvernement ottoman contre le peuple arménien au début du XXe siècle. Les mémoires de Fethiye Çetin, ma grand-mère, qui est l'un des livres les plus influents écrits sur ce sujet, sont incroyablement formidables pour amener la question des femmes arméniennes islamisées à l'ordre du jour public et littéraire et lancer des discussions publiques en Arménie occidentale pendant le génocide. Son hautement artistique, ce qui donne au livre une valeur non seulement documentaire mais aussi artistique. En outre, le livre a joué un rôle stimulant dans l'approfondissement du thème arménien dans la littérature turque, apporté une grande activité dans les milieux publics et littéraires. Le site internet Monument Watch, qui surveille le patrimoine culturel de l'Artsakh, écrit « Le 18 mars 2023, dans le village occupé de Talish de la région de Mardakert, le président azerbaïdjanais a annoncé la réinstallation de 20 familles dans le village par les Azerbaïdjanais. Laissant de côté des menaces contre les Arméniens dans le discours d'Aliyev, laissant de côté le fait que la réinstallation du village de Talish par les autorités de Bakou est une violation de disposition de la déclaration tripartite signée le 9 novembre. Nous voudrions attirer l'attention sur une image. On peut voir sur les photos distribuées qu'ici, sur la route principale du village, à côté des maisons d'habitation, une petite place a également été construite. Ce qui a en jugé par les exemples d'autres colonies occupées par les autorités de Bakou est probablement en place de lever du drapeau. En comparant les photos aériennes satellites avec l'image existante, on peut affirmer qu'elle a été construite sur le site d'une ancienne maison d'habitation. Talish est une colonie arménienne d'origine avec une culture arménienne à plusieurs niveaux. Voici le monastère Horeca, la forteresse et les palais de Melik Begalarian, sainte mère de Dieu et les églises les plus salvatrices. Les appartements démolis à la suite de la reconstruction du village ne sont pas la seule manifestation d'ethnocide. En comparant les nombreuses vidéos et photos apparues sur internet après la guerre de 44 jours, nous avons déjà confirmé que les Azerbaïdjanais ont détruit le monument de Talish, ressuscité la place du village ainsi que de nombreux monuments de Khachkar. La Sidulem qui pour la prévention du génocide en tant qu'organisation non gouvernementale internationale indépendante a lancé 5 avertissements à l'Azerbaïdjan après la guerre, qualifiant ses actions de génocidaire. La création de nouvelles colonies azerbaïdjanaises au dépend de la colonie arménienne historique Talish d'Artsakh et un génocide, y compris culturel, dont le but est d'anéantir la trace arménienne. La déclaration de Talish historique comme azerbaïdjanais viole clairement les principes fondamentaux de l'identité culturelle et l'historicité, de l'authenticité et de l'intégrité de la région qui découle du document de Nara de 1994 sur l'authenticité du patrimoine culturel adopté au Japon. Le gouvernement d'Arménie occidentale condamne toutes les formes d'élimination des traces de vie des Arméniens et remercie pour la surveillance exercée par cette organisation car elle renforce nos efforts et oblige les structures internationales à être vigilantes et dénonce les autorités de Bakou qui ne respectent en rien les dispositions des normes acceptées et jointes aux organisations internationales. Le 1er février, des femmes d'Artsakh, des mères arméniennes avec des affiches et des appels, les mères pour les droits de leur enfant, se sont adressées au chef de la délégation de l'UE en Arménie, l'ambassadrice Andrea Victorin, demandant de remettre leur lettre à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, mère de cet enfant. Dans la lettre, des mères de l'Artsakh ont rappelé que l'Artsakh était assiégé depuis le 12 décembre 2022 et que les droits fondamentaux à la vie, à la santé et à l'éducation de 120 000 habitants de l'Artsakh, dont 30 000 enfants étaient violés pendant le froid de l'hiver. Nous présentons des extraits à la réponse d'Ursula von der Leyen où elle remercie les femmes d'Artsakh pour la lettre et transmet les messages suivants. Merci pour votre lettre ouverte que j'ai reçue par l'intermédiaire de la délégation de l'Union européenne en Arménie. L'Union européenne est très inquiète suite aux divers développements qui se déroulent autour du corridor de Berzor depuis décembre de l'année dernière. Nous comprenons que les restrictions de mouvement le long du corridor de Berzor sont un grave fléau pour la population locale. Qu'elle a créé des préoccupations humanitaires. Souhaite assurer que l'Union européenne continue de mobiliser les efforts diplomatiques pour résoudre la situation et adresser de nombreux appels à l'Azerbaïdjan et aux autres parties concernées pour qu'ils prennent les mesures appropriées dans le cadre de leurs compétences, conformément aux dispositions de la déclaration tripartite du 9 novembre 2020. Le gouvernement d'Arménie occidentale vous rappelle cela que depuis le 12 décembre 2022, l'Artsakh a siégé et devenu le centre de l'attention du monde sans sa volonté. Car, comme
comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises à différentes occasions et à partir de différentes plateformes, une nouvelle carte géopolitique du monde est en train de se former, qu'ils le veulent ou non. Rien ne se fera sans le plateau arménien et la République d'Arménie occidentale et ses provinces comprenant l'Artsakh. La rapidité des événements récents nous oblige à prendre en compte nous-mêmes et à répondre à nos appels répétés. Nous avons bon espoir que les structures internationales pourront enfin faire ce qui est juste et équitable pour prendre des décisions qui profiteront à toute l'humanité. L'impunité engendre de nouveaux crimes et de nouvelles tragédies. Le 9 avril, l'une des fêtes les plus importantes des Arméniens chrétiens, Saint Pâques, a été célébrée pour la première fois après une pause de 8 ans dans l'église rénovée et rouverte de Saint Kyriakos à Tigranaket. Rappelons qu'en 2015, l'église Saint Kyriakos de Tigranaket a été endommagée lors d'affrontements armés. La liturgie et la cérémonie religieuse étaient exécutées par les ecclésiastiques arméniens de Constantinople. Les masses n'ont pas été célébrées dans l'église du village arménien de Vagfle, qui a été endommagée par le tremblement de terre dans la province de Hatay. Pour les croyants, la fête lieu avait dans la salle à côté de l'église. La plupart des villageois qui se sont temporairement rendus à Constantinople après le tremblement de terre sont revenus au village à l'occasion des vacances de Pâques et ont participé à la liturgie. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Nazuni, nazuni, dirkin sazuni, 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 kalılıp sıran gerkan.